Lucien, encore en train de faire un sondage? Qu'est-ce que c'est cette fois? Tu veux savoir combien je mange de kilos de coquillettes par mois? Ou si je me lave les dents plutôt avant ou plutôt après avoir pris ma douche? Non, je veux juste savoir si tu sais jouer au poker. Ah! Ben oui, à vrai dire, j'ai même déjà remporté plusieurs grands tournois. On m'appelait la reine du tapis vert. Mais c'est génial! Alors ça te dirait de venir chez moi faire une petite partie ce soir? Désolée, mais non. Ben pourquoi? En fait, il y a quelques années, pendant la finale du Régional Poker Tour, j'avais misé gros, très gros, mais j'avais un jeu de rêve. Tout allait bien, tu vois? Carré de roi. Quinte flush. Un truc de dingue. Et depuis cette journée noire, ma chance a tourné. Belote, rebelote et 10 de der, mamma mia! Rami sec. Famille! J'ai la poisse aux cartes. Ah. Oui, et du coup, j'ai fait le serment de ne plus y jouer, parce que les cartes ne m'aiment plus. Bon, bah écoute, si jamais tu changes d'avis, rendez-vous à 20h chez moi, ok? Compte pas sur moi! Waouh! Je rêverais trop d'être à ta place. T'as vraiment du bol de partir aux Seychelles. Ta valise est prête? T'as ton maillot de bain, ton pareo et ta crème solaire? Ouais, j'ai tout. Sauf mon père. Le divorce est prononcé. Du coup, il déménage pendant ses vacances et je pars seule avec ma mère. C'est sympa quand même. Si tu aimes te lever à 4h du matin et faire du sport toute la journée, alors... Oui, je vois. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas traîner lamentablement en pensant à Tristan? Non, je vais traîner joyeusement avec Tristan, figure-toi. Il reste en ville. Et moi aussi. Pour résumer... Yeah! C'est carrément génial! Comme tu dis. D'ailleurs, là, j'ai rendez-vous chez lui. Il paraît qu'il a une grande nouvelle à m'annoncer. Je vais m'éclater au ski, à Val des Nazes. Quoi? C'est ça, ta grande nouvelle? Oui, je pars avec mon oncle. C'est chouette, hein? J'avais tellement peur de passer toute la semaine à traîner ici. Tu m'étonnes. D'ailleurs, moi aussi, je pars au ski, finalement. Ah bon? Où? Eh ben, à Val de... là, oh. Enfin, comme toi, quoi. Tu vas à Val des Nazes? Voilà, c'est ça. Mais c'est pas croyable! Ouais, pas croyable. Qu'est-ce que tu dirais de prendre un grand bol d'air pur pendant les vacances? Tu veux aller à Mortebouze? J'ai pas dit un grand bol de puanteur de bouse de vache. Non, je pensais plutôt à un séjour à la mer ou... Oh, à la montagne! À la montagne? Ben oui, l'air est super pur là-bas. Ben... Génial! Je savais que tu serais d'accord. Bon ben, je file à l'agence de voyage. Bisous! Vous avez de la chance. Il me reste 2 places au Majestic Bouquetin de Val des Nazes. Voyage en première classe avec Continental Breakfast, un lit king size, matériel de ski et accès à l'espace détente compris. Magnifique. Et c'est combien? 3200 euros. Quoi? Pour deux? Par personne. Et hors taxe, évidemment. Et en voyageant en seconde classe, en dormant par terre, en retirant le matériel de ski, la piscine et les petits déjeuners? T'as fait vite? Alors? Alors, on s'y prend trop tard. À Val des Nazes, il reste des places que pour la reine d'Angleterre. Et encore. Val des Nazes? C'est marrant. Je me demande si Richard n'a pas justement grandi dans ce coin-là. Ah bon? Salut, Lou. Salut! Une petite question. Qu'est-ce que tu dirais si je te proposais d'emmener 2 superbes filles dans le petit village de ton enfance pendant les vacances, hein? Je dirais... non, pas question. Pourquoi? Je n'ai pas envie d'y remettre les pieds. Désolé. Allô? Lou, c'est moi. Je te dérange pas? Ben, non, pas du tout. Ça te dirait qu'on aille réserver nos billets ensemble? Comme ça, on serait dans le même train. Tu les as déjà, c'est ça? Non. Alors viens, je t'attends. Un petit problème, ma louloute? Non, un gros.
Raconte. Ben, Tristan part à Valdenaz et moi je lui ai dit que j'y allais aussi. Mais bon, là, comme on part pas, il faut que je lui dise la vérité. Tu as vraiment envie de passer tes vacances avec Tristan, hein? Est-ce que Rose avait envie de rester avec Jack dans Titanic? Ok. Alors attends un peu avant de lui dire la vérité. J'ai peut-être une idée pour dégoter de l'argent. Qu'est-ce que tu comptes faire? Bluffer. J'ai changé d'avis. Il reste une petite place pour moi? Mais bien sûr, entre. Ah, Lou, super. Allez, viens. On va tout de suite faire les réservations. Attends, t'as pas quelque chose à manger d'abord? Je prends jamais mes places de train le ventre vide. Ah bon? Pourquoi? Ben, ça apporte malheur, tu vois. Vous allez mordre la poussière. En Algérie, on m'appelait la terreur de Tanger. Mais, Tanger, c'est au Maroc? Pas toujours. Et voilà. Bon, j'imagine qu'on part sur un poker fermé. La cave est à combien? 100 jetons. Parfait. Et la valeur du jeton? Rien du tout. On joue pour l'hiver, quoi. Oh. Quoi? Comme à Tanger, juste pour la gloire. Non. Alors, t'as des bonnes nouvelles? Non, pour l'instant, c'est râpé. Sauf si l'hôtel de Valdenaz accepte d'être payé avec des jetons. Salut tout le monde. Il y a une petite place pour moi? Évidemment, vous connaissez Tristan. Attends, il reste peut-être une chance. Gagne encore du temps avec Tristan, je te rappelle. Bon, on y va maintenant? Attends, et si on faisait un petit duel à Super Dario avant? Et les billets de train? Si on lambine trop, on n'aura plus de place. Je me suis drôlement améliorée. Si ça se trouve, je te bats. Ah ouais? Madame Schum, à vous de parler. Je crois que je vais prendre un trèfle. Madame Schum, on joue au poker, pas à la belote. Sans blague. Rappelez-moi un peu les règles pour voir. Eh bien, on va tous miser des jetons et le but du jeu est d'obtenir la meilleure combinaison de 5 cartes pour rafler l'ensemble des mises. Ouh là là, ça m'a l'air compliqué. Vous ne préféreriez pas jouer à la belote? Paire de rois et paire de 8. Minute, papillon. J'ai une couleur à carreaux. Au valet. Yeah, ma chance est revenue, ouais. Bien joué. Que dirais-tu d'une mise un peu différente? Par exemple, un petit séjour au ski. Si je gagne, tu nous emmènes dans ton village avec Lou. Et si je gagne? Ben, tu décideras ce que tu veux. D'accord. Attention, la mouette! La mouette! Le saut de ciment! Accélère! Dépêche! Vite, vite! Tu vas louper la poutre! C'est ça que t'appelles t'être amélioré? T'es pas fichu de passer le niveau 1 du troisième monde? Je sais pas ce qui m'arrive, je comprends pas. Allez, on va prendre nos billets? Non! Attends! Toi qui es si fort, montre-moi ce que tu sais faire! Mais là, je suis au bord du gouffre. Tristan a bientôt terminé sa partie. Quitte pas. Carré de roi. Quinte flush. J'ai gagné. Désolée, ma louloute. On ne part pas. Tu sais, Tristan, comment dire, faut que je t'avoue quelque chose. Une seconde. Oh, oui, j'ai passé le précipice de cristal. Allez, vas-y, toi, prends ça. Hé, attends. Tu
oublies un détail, j'ai gagné. Et j'ai déjà choisi ma récompense. Ok. Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais que toi et Lou veniez passer ces vacances dans mon village avec moi. Mais je croyais que... J'ai changé d'avis. On dirait que ma chance a vraiment tourné, hein? Peut-être bien que oui. Et puis, de toute façon, tu sais ce qu'on dit. Malheureux au jeu, heureux en amour. Yes! Et voilà le travail. Tu voulais me dire un truc? Oui, je... Je pars pas à Valdenaz. Quoi? Non, en fait, je pars à Super Chevelle, dans le village de mon voisin Richard. Super Chevelle, génial! C'est la station juste à côté, et c'est le même train qui y va. Ben alors, qu'est-ce qu'on attend? On réserve nos places ou quoi? Et la combinaison la plus forte, c'est la quinte flush royale. 5 cartes qui se suivent de couleurs identiques jusqu'à l'as. Imbattable! Quinte flush? Ok. C'est bon? Vous avez tout compris cette fois? Impeccable. Le poker n'a plus de secret pour moi. Alors on y va. Au fait, c'est quoi l'atout déjà? Oh. Oh, ben quoi? Oh, quoi? Rose ou blanc? Voyons, que ferait Sidéra dans un cas pareil? Il n'y a pas de super-aide dans le cosmos. Hey, ça va bien? Qu'est-ce que... Salut, oui, ça va, j'achète du... pour... enfin, tu vois quoi? Ah oui, pour... Bon, ben alors, à la prochaine alors, ok? Ok, à la prochaine. C'est tout? Quoi? Tu préfères prendre un paquet de 12? Mais non, je parle de Richard et toi. C'est dingue ça. Tu restes là à bafouiller, on dirait moi devant Tristan. Sauf qu'à ton âge, ça craint carrément, je trouve. Bon, hé, ça va, ok. J'attends la bonne occasion. J'ai pas envie qu'on fasse connaissance entre les chocopouf et les poireaux. Hé, Louloute, où tu vas? Oh. Quand on parle du loup... Et voilà. Quoi? Qui c'est la petite Vénarde qui est invitée ce soir chez Richard pour une super soirée de jazz? Moi? Mais j'y connais rien en jazz. T'inquiète pas, il y aura que des copains à lui super sympas. Ils vont passer des disques en sirotant des sodas, ça va être cool. Et puis c'est trop tard pour reculer, je lui ai dit que tu serais trop contente d'y aller. Louloute, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment adapté. Mais si, je te jure, tu vas être magnifique. Lève le bras. Quand même, ça fait pas un peu trop chic? Mais non! Tu sais, les adultes comme toi, quand ils vont dans des soirées, ils font des efforts pour être un peu élégants, tu vois? Si tu le dis. Qu'est-ce que tu ferais sans moi, hein? Justement, pour te remercier, moi aussi, je t'ai organisé une petite soirée. Dog sitting chez Monsieur Verdier. Hein? Attends, t'es en train de me dire que je dois annuler mon super plan espionnage de Tristan pour garder un affreux bulldog? Désolée. Et puis, c'est trop tard pour reculer. J'ai dit à Monsieur Verdier que tu serais trop contente. Ok, bon, sinon ta robe est finie. Ouais, j'aimais bien mon pull rouge en fait. Hey, bienvenue dans le temple du jazz. Mmh.
Génial, ta robe. Ah, ben, oui, merci. J'avais envie de me déguiser ce soir. Tu fais les présentations, Richard? Bien sûr. Alors, je te présente Vanessa, une copine prof de langue orientale. Et passionnée de jazz, comme lui. Toi aussi? Bien sûr, je suis au top. J'adore le jazz, le free jazz, le... enfin, tous les jazz, quoi. Et tu joues d'un instrument? Évidemment, je joue du... plus précisément, du flutio, de la flûte à bec. C'est ça, je joue de la flûte à bec. Trop fort, c'est hyper original en jazz. Ben, si tu le dis... Viens, je vais te présenter mes autres amis. Je récapitule. Découper sa viande en petits cubes. Sinon, ça fait mal aux dents de bobo. Pas de sucre, sale ballonne. Juste une pomme, il faut l'éplucher avant et enlever les pépins. Pas de souci. Les caresses, il aime bien ça, Bobo. Mais jamais sur les oreilles, ni sur le dos, ni sur les pattes, ni sur le ventre, et ni sur la queue. Ben, où alors? Sur le museau. Et uniquement sur le museau. Je crois que je t'ai tout dit. Bon, je file maintenant. Bonne soirée et amuse-toi bien. Merci, monsieur Verdier. Je parlais à Bobo. Bon, changement de programme. J'ai déniché un enregistrement live de Richard Monk de 1955. Une rareté. Perso, je trouve que son interprétation du hard bop est carrément féroce. Alors dis-moi, ça te plaît? J'adore. Allez, Tristan, il est 19h50, l'heure de fermer tes rideaux. Yes! Voilà. Waouh, il est trop beau. T'as vu ça, Boubou? Monsieur Verdier ferme pas ses rideaux de façon aussi sexy, hein? Mina, c'est la cata. Ne me dis rien, t'as perdu tes jumelles en surveillant Tristan. Non, c'est le chien de Monsieur Verdier que j'ai perdu en surveillant Tristan. Oh, tu me l'avais jamais faite, celle-là. Je devais le garder ce soir et j'ai fouillé tout l'immeuble, il est nulle part. Il a dû sortir dans la rue. Crétin comme il est, il va pas survivre dehors plus d'une heure. Ah bah, sympa de me rassurer. T'aurais pas plutôt un bon conseil à me donner ou une idée? T'inquiète, les chiens idiots, j'ai l'habitude. Bouge pas, j'arrive. Superbe, les arrangements. Waouh, ah, Bob, t'es quoi, fort. Ça t'a plu? Tu parles, j'ai adoré. Bien, maintenant, c'est l'heure du bœuf, les amis. Oh, c'est génial. Un bœuf, tu veux dire un bœuf musical? Ben oui, une jam session, quoi. On a hâte de vous entendre, toi et ta flûte à bec. Lou, t'as amené Jean-Pascal? Il connaît Boubou. Il va nous aider à le retrouver. Je te rappelle que les bulldogs sont réputés pour... leur regard absent, leur mollesse, leur appétit sans limite. Leur flair. Si j'ai bonne mémoire, Jean-Pascal s'est déjà perdu dans ton appartement, non? T'as une meilleure idée, peut-être? Bon, alors fais-lui sentir la laisse de Boubou. Hé! Jean-Pascal! Attends! Reviens! Jean-Pascal! Ben voilà, c'est malin. Maintenant, on a deux chiens à retrouver. Bien vu. Et la faute à qui, hein? Personne t'a demandé d'amener Jean-Pascal? Peut-être, mais c'est pas moi qui ai perdu Boubou. Je regardais Tristan, ok? Je pouvais pas tout faire. Ouais, c'est bien ça le problème. Bon, très bien. Si tu le prends comme ça, salut! Ouais, c'est ça. Salut! D'aller chercher ta flûte à bec. Et c'est-à-dire qu'elle est en révision chez le flûtier. Tant pis. Gaëtan en a une, il va te la prêter. Oh, mais bien sûr, ça me fait plaisir. Ouais, bah moi aussi. Boubou! Boubou! Boubou n'est plus là, camarade. Il a disparu dans le port de Haiphong en 1946. Merci du renseignement, monsieur. Mais en fait, je cherche un chien. Mais je parle d'un chien, moi aussi. Un bâtard tonkinois d'un mètre au garrot qui ne faisait qu'une bouchée des ragondins géants qui traînaient sur les quais. Je vois. Mais vous savez, le boubou que je cherche, il est tout petit, rabougri et il bave comme un escargot. Désolé, je n'ai rien croisé d'aussi laid depuis Miguel Ramuncho à Saint-Jean-Pied-de-Port. Tant pis, merci quand même. Cela dit, j'ai une méthode infaillible pour retrouver les chiens. Ah oui? Genre siffler un air tribal dans un ocarina magique un soir de pleine lune? Pas besoin que ce soit la pleine lune. C'est gentil, mais je suis pas assez désespérée pour tomber dans le paranormal. Donc, bonne nuit.
Pascal, reviens ici tout de suite ou sinon je t'échange contre un hamster. Bonsoir, vous n'auriez pas vu passer mon chien Boubou? Non, Jean-Pascal. Pourquoi, vous avez vu Boubou? Non, pas depuis 1946. Je vois. Cependant, je peux vous aider, à condition que vous fassiez confiance au pouvoir du grand Matoutou. Je vais me débrouiller toute seule, merci. Toujours fâché? Non, mais j'ai toujours pas retrouvé Jean-Pascal. Bah moi pareil, avec Boubou, il est nulle part. Ce dog sitting entre direct en première place du top 5 des pires soirées de ma vie. Attends, il y a du nouveau. Quoi, ouais, t'as retrouvé les chiens? Pas moi. Bah alors qui? Le paranormal. Allez, salut. Revenez quand vous voulez. Merci pour la soirée. C'était hyper sympa, vraiment. Attends, je voulais te demander un truc. Ça fait combien de temps que tu joues de la flûte à bec? Tu veux dire, en comptant le bœuf? Oui. Alors, ça doit faire une heure. Tu sais que t'es douée, tu devrais continuer. Si c'est toi qui me donnes des cours, je veux bien. Quand tu veux. Bonsoir, tout s'est bien passé? Oui, impeccable. Il a eu sa viande en petits cubes, ses caresses et sa banane. Sa banane? J'avais dit une pomme. Boubou ne tolère pas les bananes. Ça lui donne de l'eczéma. Désolée, vraiment, Vous n'avez pas respecté les consignes, tête de linotte. Je ne ferai plus appel à vous. C'est vrai? Mais non, je plaisante. Mon Boubou. Alors à la semaine prochaine, même jour, même heure, hein? Ma mère et moi, on a un petit problème. Quand il s'agit d'avouer nos sentiments aux hommes qu'on aime, eh ben, il n'y a plus personne. On grenouille comme des idiotes, on accumule les gaffes, ou on se débrouille pour se retrouver dans des situations complètement stupides. Mais il faut faire face, hein. On va pas rester vieille fille toute notre vie. Ce serait super glauque. Là, on se retrouve dans une situation propice aux déclarations d'amour. Un plan montagne chez les parents de Richard, un voisin dont ma mère est plus ou moins tombée amoureuse.
dans une station juste à côté de celle où Tristan, le garçon le plus craquant du monde, passe ses vacances. Va falloir assurer. Alors, qu'est-ce que tu penses de Super Chevel? Waouh! Hey, après le bip, vous savez quoi faire? C'est Lou, juste pour te dire que je suis bien arrivée. T'as qu'à me rappeler pour qu'on se voit, hein, rapidement. Enfin, si tu veux, ou si tu peux, enfin bref. Allez, à plus! Maman. Oh, mon chéri, comme ça nous fait plaisir de te voir. Mon père. Vous pouvez m'appeler Didier. Bonjour. Enchanté. Oh, Gigi. Ma mère, qui est aussi mère de Super Chevel. Bonjour, madame. Vous pouvez m'appeler Nicole. D'accord, Nicole. Et Pepo, mon neveu. Hey. Vous pouvez m'appeler Pepo. Bah oui, Richard vient de le dire. C'était pour rire. Et voici une copine. Enfin, ma voisine. Une copine, quoi. Et Lou, sa fille. Bienvenue à la montagne. Richard, on a une petite surprise pour toi. Ludmilla. Salut, trésor. Hein? Ludmilla, je... Rien de cassé, mais c'est quand même une bonne entorse. Ta semaine de ski est fichue. Et avec des béquilles, pas facile de bouger. Oh, t'en fais pas pour moi. Je vais trouver de quoi m'occuper. Je savais pas que t'étais fiancée. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu plus... Enfin, un peu moins... Pas la peine de te justifier. Après tout, c'est ton droit de te fiancer. Moi, je ne suis qu'une copine, ta voisine, quoi. Hey, Richard, prêt pour une promenade en amoureux? T'attends un coup de fil de ton amoureux, c'est ça? Ouais. Et il n'appelle pas, c'est ça? Non. Attention, car comme on dit par chez nous, à trop attendre le réveil de la marmotte, on loupe le chamois. Dis, si on allait visiter le village et ses environs, ça te changerait les idées, non? Bof. Allô, Joss, c'est moi. Oui, j'ai fait une horrible découverte. Le Yeti habite Super Chevel et il veut t'épouser? Pire, Richard a une fiancée. Aïe. Blonde, opulente, super canon. Aïe, aïe. Et pour couronner le tout, je me suis fait une entorse. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que je peux faire? Rien. Statistiquement, une boiteuse ne peut rien faire face à ce type d'arme de séduction massive. Hé, hey, dis, c'est encore long. Ça y est, on est arrivé. Regarde. Alors? Waouh, qu'est-ce que c'est beau! Là, à gauche, c'est le col du Bouzingue. Plus haut, c'est le pic de la Grande Frousse. Et à droite, là, c'est la vallée du Haut-Pavouze. C'est magnifique comme coin, hein? Mina? Alors, quoi de neuf? Bof, Richard a une fiancée, maman s'est fait une entorse et par-dessus le marché... Tristan m'a toujours pas appelé. Ça, on va le savoir. T'es avec quelqu'un? C'est qui? Oh, personne. La planète Bac à glace était battue par un vent de 478 km/h. Crevasse, la terrible reine blanche, avait enfin réussi à mettre la main sur l'infortuné prince Fulgor. Libérez-moi, Crevasse! Vous me faites froid partout! Laisse-toi faire, petit frisquet. Je vais te faire connaître le côté givré de l'amour. Écoutez, c'est très gentil, mais il se trouve que je suis déjà plus ou moins engagé. Et enfin, je suis amoureux, mais j'ai pas osé lui dire encore. Elle aussi, je crois qu'elle est... Enfin, disons que c'est compliqué. Voilà!
Tiens, c'est marrant ça, c'est justement la fille dont je vous parlais. Et vous lui dites rien, parce qu'elle doit pas savoir que... Enfin, vous voyez quoi. Par la cosmopeste. Attention, Prince Fulgor. Ne regardez pas ses yeux. Hein? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont, ces yeux? Oh, tiens, je me sens bien tout d'un coup. Et voilà, maintenant tu m'appartiens. Alors, prêt pour une promenade en amoureux? Je dis pas non, et on va aller où comme ça? Manger une petite glace? Ah. Et voilà la fameuse croûtiflette, la spécialité du coin. C'est fait avec des croûtes de fromage et des croûtes de pain. Que des trucs que j'aime pas, quoi. Ben, tu veux autre chose? Oui, téléphoner. Entrez. Comment ça va? Impeccable. Tant mieux. Je vous ai apporté ça. Ce sont des antiquités, mais elles sont solides. Mon grand-père s'en servait quand il s'est cassé la jambe. Au ski? Non, dans ses escaliers. Merci, c'est gentil. Vous avez besoin d'autre chose? Vous savez où est Richard? Oh, chez Ludmilla, sans doute. Si ça se trouve, il est en train de la demander en mariage. J'espère. Quelle joie ce serait. À nous deux, crevasse. Vous dites? Non, rien. J'adore ce circuit de luge. Quand je le descends, j'ai une sacrée montée d'adrénaline. Un vrai bonheur. Vous n'avez aucun nouveau message. Pour revenir au menu principal, ça fait 1. Bon, allez, ça suffit. Mais... maintenant. Hé hey! Si tu veux ton téléphone, t'as qu'à me suivre. Tu vas le regretter. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Excusez-moi de vous déranger. Vous savez où habite Ludmilla? La fiancée de Richard. C'est ça, oui. Droit devant vous. Merci. C'était génial. On se la refait. Ok, mais d'abord je voudrais vérifier si j'ai un message. Tu peux me rendre mon portable, s'il te plaît? J'ai dû le perdre pendant la descente. Merci encore, Ludmilla. Oh! Ça m'a fait plaisir de te revoir. On a passé un moment super sympa, mais là, il faut que j'y aille. Au revoir. Oh. Désolé. Écoute, je t'aime bien, Ludmilla, mais je ne suis pas amoureux de toi, vraiment pas. En fait, c'est même un peu pour ça que je suis partie de Super Chevelle et... Je sais, mes parents t'adorent, on a grandi ensemble, mais... Voilà. Tu te trompes, Richard. C'est moi, la femme de ta vie. Tu t'en apercevras avant la fin des vacances, tu vas voir. Allez, c'est pas si grave. On va trouver un autre moyen pour joindre ton Tristan. Avec quoi? Des nuages de fumée? Un pigeon voyageur? Oh, c'est lui! C'est mon portable! Oh. Oh. Là! Vite! Ça y est! Allô? Salut, c'est moi. Je voulais juste savoir si tu vas mieux. Oui, j'ai retrouvé le moral grâce à un garçon formidable. Ah, Tristan? Non, Pepo. Hein? Bon,
Je te laisse, j'ai un bonhomme de neige à faire. Ok, à bientôt. Alors, comment ça va? Beaucoup mieux, merci. Et toi? Et beaucoup mieux aussi. Lou, une petite partie de Krabazouk? C'est un jeu de société de la région. D'accord. C'est Tristan? Oui. Eh, tu sais quoi? On va d'abord se faire une petite partie de Krabazouk. Je le rappellerai après. T'es sûr? Bah oui, j'ai attendu son coup de fil toute la journée, alors il peut bien attendre 5 minutes, hein? Mercredi à 15h45 précise, Tristan part à pied au conservatoire pour son cours de guitare qui commence à 16h. Le cours dure une demi-heure. Donc, à 16h30, Tristan repart. Il fait un petit détour par Game Zone, le magasin de jeux vidéo, et ensuite il rentre chez lui. Et là, il se remet devant sa console. Donc, tu as 3 super occasions pour aborder Tristan et lui parler. Mmh. Sur le chemin du conservatoire, à la sortie du cours de guitare et devant le magasin de jeux vidéo. Dis, si on remettait ça à demain, je me sens un peu vaseuse, là. Non, la fuite n'est pas une solution. Peut-être, mais j'ai trop le trac. Le trac, et alors, c'est pas grave, Cendrillon aussi avait le trac avant d'aller à la soirée du prince. Ouais, et du coup, ça a mal tourné. Elle a perdu sa pompe en cristal, le carrosse et tout, quoi. Mais n'empêche qu'à la fin, le prince a fini par la retrouver. Allez, princesse, à toi de jouer. Mets ta robe de bal, allez, dépêche. Avec cette stratégie et cette robe, ça ne peut pas rater. Tu crois? Mais oui. À plus, maman. Oui, d'accord. À tout à l'heure. Bon, ça va? Tu te sens prête? C'est le grand jour. Alors, c'est qui la meilleure? C'est qui la plus belle? Et c'est qui la plus craquante? Ben... moi. Bingo! Allez, le voilà! Vas-y! Go, go, go! Allez! Et appelle-moi vite pour tout me raconter! Comment ça, il a pris le bus? Ok, t'énerve pas. Va au conservatoire à pied et attends tranquillement qu'il sorte. Comme ça, plus de problème. Ben justement si, il y a toujours un problème. Si je marche sous la pluie, ma robe va prendre l'eau et comme c'est de la laine, je vais ressembler en 2 secondes à une vieille méduse. Pas de panique, reste zen. Tu vas trouver une solution et surtout n'oublie pas. Qui c'est la meilleure, la plus belle, la plus craquante? Ouais, ouais, ok, c'est moi. Hmm?
C'est pas vrai. Sur la porte, démarchage interdit. Vous savez pas lire? C'est moi, Madame Schurm, la locataire du quatrième gauche. Ah, voilà, voilà, j'arrive. C'est pourquoi? Vous n'auriez pas la clé de mon voisin de palier, par hasard? Le gars avec le gilet en peau de chèvre? C'est du mouton, je crois. Mais oui, c'est ça. Il a oublié de fermer sa fenêtre et il pleut chez lui. Je n'ai pas sa clé, mais j'ai son numéro de téléphone portable. La version live de Rock on the Paddock du groupe punk Les Taches. Londres 1978, quand le chanteur s'est électrocuté avec sa guitare électrique, c'est ça? Non, Manchester 1979, quand il s'est jeté dans la foule et que personne l'a rattrapé. Son dernier concert, quoi. Je n'en suis pas sûr. Vous avez quoi sinon dans le genre violemment antisocial? Bonjour, c'est Richard. Vous pouvez me laisser un message après la petite bête. Richard, c'est ta voisine de palier. En fait, je t'appelle pour te dire qu'il y a une petite inondation chez toi. Rien de grave, tu sais. En tout cas, je gère le problème. À ton retour, tout sera rentré dans l'ordre. À tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est encore? Vous auriez un tournevis à me prêter? Voilà, j'y suis. Je perds tout le temps mes clés, alors la serrurerie, je connais. À force de regarder les serrureries ouvrir ma porte, j'ai compris le truc. Vous allez voir, c'est simple. J'y suis presque, encore un dernier petit tour et... Je ne voudrais pas faire ma concierge de rabat-joie, mais maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire? Vous auriez pas une échelle? L'ADN est une molécule que l'on trouve dans toutes les cellules vivantes. Même dans les saucisses? Oui, mon petit Helmut, même dans les saucisses. Encore raté? Pas de panique, on va trouver une solution, t'inquiète. Reste cool. Écoute, tu vas prendre un raccourci pour arriver avant lui à la boutique de jeux vidéo. Et tu l'attendras l'air de rien, d'accord? Donne-moi ta position, je vais te guider. Tu es au début de la rue Gainsbourg. Alors tu vas prendre la première à gauche. Le plus sûr moyen d'aller d'un point A à un point B, c'est la ligne droite. Ouais. Faites surtout bien attention de ne pas aller du point A au point rez-de-chaussée. Enfin, moi, ce que j'en dis, vous savez. Pourquoi? Non, c'est pas une crampe. J'ai le vertige. Au secours! Et voilà, continue tout droit et tu y arrives. Il est là. À lui, je te laisse. Je rentre à la maison, je vais vivre devant la télé sous une couverture et je mangerai des cookies jusqu'à la fin de mes jours. Quoi? Mais tu peux pas faire ça! Qui c'est la plus belle, la meilleure, la plus craquante? C'est pas moi! Euh,
En fait, je t'appelle pour te dire qu'il y a une petite inondation chez toi. Rien de grave, tu sais. En tout cas, je gère le problème. À ton retour, tout sera rentré dans l'ordre. À tout à l'heure. Vous voilà. Prépariez un numéro de cirque ou quoi? Oui, comme ça. Maintenant, vous pouvez retirer l'échelle. Dites, ça ne vous ennuierait pas d'enlever vos pieds de mon recueil de poèmes italiens? Je suis vraiment désolée. Je savais pas que j'avais le vertige comme ça. Et il ne faudra pas oublier de me rendre mon tournevis, hein? Et je m'appelle Lou. J'habite juste là. Lou, super. Et moi, c'est... Tristan, je sais. Et t'habites là, non? Ben ouais. Restons pas là, viens. Elle est sympa, ta robe longue. C'est original. C'est vrai? T'aimes bien? C'est moi qui l'ai faite moi-même. Regarde. Ça y est, il est parti. C'était chouette. Allez, à la prochaine. Tristan, attends, ça te dirait un ciné, un de ces quatre? Ou autre chose? Enfin, ce que tu veux, quoi. Bah oui, pourquoi pas. Alors, on s'échange nos numéros? Lou, écoute, j'ai réfléchi à un autre plan. Plus la peine, ça y est. Ça y est? Je lui ai parlé. Tu peux pas savoir ce que c'était moment. C'était le moment le plus romantique de toute ma vie. Franchement, moi je dis merci la pluie. Salut, je voulais te dire pour ce qui s'est passé cet après-midi. Ah, tu veux parler de ton plancher inondé, de ton canapé bousillé, de l'urine de chat partout et des livres piétinés? Oui, mais je... Enfin, c'est moi qui... J'ai pas été très sympa quand je suis arrivé. T'as dû avoir drôlement peur sur ton échelle et je ne t'ai même pas dit merci. Pas un mot, rien et... Donc, tu ne m'en veux pas? Bien sûr que non. J'aime bien bricoler. Je vais me refaire une porte, c'est pas un problème. Allez, salut. Alors? Alors, tout va bien. Et je crois que c'est le moment idéal pour une... Une danse de la joie! Sidera avait envie de... Sidera se demandait... Sidera ne savait pas du tout quoi faire. Enzyme utilisée pour catalyser le gaz carbonique. En 11 lettres, ça commence par un C. Je vois pas. Puis là, je travaille en plus, ok?
c'est bien la peine d'avoir fait des études si tu ne peux même pas m'aider au mot croisé? Je te rappelle que j'ai fait des études de lettres, maman, pas de chimie. Et à quoi elles te servent, tes études de lettres, hein? À essayer d'écrire un livre de transcription? Science fiction, maman. C'est pareil, pas d'arrogance avec moi. Dire que je t'avais trouvé une place en or au PTT de Mortebouze pour remplacer la mère Bijard qui faisait des crises de goutte à répétition. Mais guichetière à Mortebouze n'était pas assez bien pour mademoiselle. Tu as fait la difficile. Là, prends ça, pourriture extraterrestre. C'est comme ça que tu écris ton livre? Si tu veux, là, je fais une pause entre deux chapitres. Mais sinon, je suis à fond, hein, j'avance bien. Tu parles au rythme où tu tapes sur ton fourbi, là. Je serai à l'hospice avant de lire la moindre ligne. Je te signale que j'ai presque terminé le troisième chapitre. Eh bien, moi, je te parie qu'il ne sera toujours pas fini ce soir, paresseuse comme tu es. Ok, pari tenu. On va voir ce qu'on va voir. Sidéra se retrouvait une fois de plus face à sa mère, l'infâme reine des ombres dont l'haleine putride n'avait d'égal que sa cruauté. Tu te rends compte, ce soir je vais à un concert de hip-hop toute seule, enfin je veux dire, sans que ma mère m'accompagne. Oh, incroyable, comment t'as négocié ça? Je lui ai dit que je commençais à ressentir des pulsions d'autonomie et qu'il ne fallait surtout pas les contrarier, sous peine de conséquences désastreuses pour le reste de mon adolescence. Ouah, et elle t'a cru? Non, mais elle a demandé conseil à son psy et il lui a dit la même chose, alors elle s'est inclinée. Hé, hey, ça te tente de venir au concert alors? Je sais pas, je suis un peu crevée ce soir et puis il y a ma grand-mère et... Comme tu veux. En tout cas, Tristan y sera, je crois. Et c'est à quelle heure ton truc? Si. Qu'y a-t-il, Dr. Sanders? Idiotie de technologie. Soyez forte, Barbara. Ross a été attaqué par un requin. Oh, mais c'est horrible, le pauvre. Rassurez-vous, il va s'en sortir. Je parle du requin. Ah, malheureusement, la bête n'en a plus pour longtemps. Quelle est gourde, cette Barbara! Justicière du cosmos, ce n'est pas un métier, déclara la reine des ombres. Je n'irai plus jamais sur cette bouse. Ohé, salut la compagnie. Je suppose que si je vais à un concert toute seule ce soir, ça ne te dérange pas? Désolée, j'ai trop de boulot là, je ne peux pas t'emmener à ce... En fait, j'ai dit toute seule. Comment ça toute seule? C'est-à-dire que... T'as 12 ans quoi, hein? C'est un peu jeune, non? L'année prochaine peut-être, mais bon là, non quand même. Maman, permets-moi de te dire qu'il ne faut pas contrarier ce genre de pulsion d'autonomie sous peine de conséquences désastreuses pour le reste de mon adolescence. Je prends le risque. Désolée, mais pour les concerts, t'es quand même encore un chouïa trop petite. Bah ça alors, quand il s'agit d'appeler la compagnie du téléphone parce que t'as oublié de payer la facture, là je suis pas trop petite. Et pour aller acheter de l'huile pimentée en urgence, je suis assez grande tout à coup. Ben oui, mais c'est pas la même chose quand même. Et alors, c'est pas bientôt fini tout ce tintouin? Je comprends rien à ce que raconte le Dr. Sanders. Bon, écoute, pour une fois que je te dis non, alors c'est non, et c'est comme ça. Voilà, maintenant file et j'ai du travail. Lou, dépêche-toi de manger avant que ça fige. J'ai pas faim, je vais me coucher, il me reste que ça à faire de toute façon. Comme tu veux, mais tu le regretteras. Et toi, la scribouillarde, tu viens manger ou bien? Là, je suis super inspirée. Et comme je dois finir mon chapitre avant ce soir, ça serait bête de m'arrêter. J'y retourne, j'ai pas de temps à perdre. Manger des choux de Bruxelles, ce n'est jamais une perte de temps. Mina, t'es où? En bas de chez toi. Alors, tu viens? Allez, grouille-toi, je veux pas être en retard. T'as demandé à ta mère, elle est d'accord? Oui, elle est d'accord. J'arrive. On peut y aller. C'est un concert de quoi déjà? De hip-hop. Des gars qui slament sur des vieux textes remixés. Un truc féroce. Hé, Richard! Salut, ça te dirait d'aller... Chers téléspectateurs, il est temps de voter pour savoir qui de Pierre-Rodolphe ou d'Alban Mathieu va quitter l'auberge. Il y a un concert à la fusée, un truc de slam. Il paraît que c'est sympa. Je me disais qu'on pourrait peut-être y aller tous les deux, tu vois. C'est que j'ai pas fini mon chapitre et je ne peux pas laisser Lou et ma mère comme ça sans prévenir. Elles dorment, non? Allez, quoi, viens. Bon, ok. Pierre-Rodolphe, j'ai une surprise pour toi. Oh!
malheureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Ou comme celui-là qui conquit la toison. Venir retourner plein d'usage et raison. Vivre entre ses parents, le reste de son âge. Le reste de son âge. Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village, fumer la cheminée, en quelle saison? Reverrai-je le clou de ma pauvre maison qui est une province? Flammé sur Joachim du Bellay, audacieux, hein? Ça te plaît? Non! Ah bon? Tu n'aimes pas? Et c'est pas ça! Regarde qui est là! Bah alors, qu'est-ce que tu fais là? Maman? Mais et toi alors? Je croyais que tu avais un chapitre de Sidéra terminé. Mais, ah non, tu ne vas pas me la faire à l'envers! C'est moi ta mère, c'est moi qui pose les questions! Tiens pas de mec, allez, viens, mange! Je n'en reviens pas que tu m'aies fait une chose pareille! Ok, ok, j'ai eu tort! Mais enfin, je suis une grande fille, y a rien à craindre! Une grande fille? Ça ne ment pas, sa mère! Je suis bien d'accord! Alors, on promet de travailler et à la place, on fait la riboule dingue? Écoute, primo, j'avais presque fini mon chapitre. Et secondo, y a pas de secondo. Et voilà, j'avais bien un doute. Mais maintenant, j'en suis sûre. De quoi? Vous finirez dans le caniveau, toi et le livre de transfriction que tu ne finiras jamais. Si c'est vraiment ce que tu penses de moi, maman, tu peux faire tes bagages. Je n'ai plus rien à te dire. Ça tombe bien, moi non plus. Je m'en vais. Il n'y a plus de train ce soir. Le prochain est à 10h11 demain. Sidéra se retrouvait une fois de plus face à sa mère dont l'haleine putride n'avait d'égal que sa cruauté. Mamie n'est plus là? Elle était déjà partie quand je me suis levée. Allô? Oui, c'est moi. Quoi? Une vieille dame pas aimable? Très bien, d'accord. C'était qui? Le patron des éditions Stardust. Mamie l'a obligé à lire les premières pages de mon bouquin en le menaçant physiquement, apparemment. Et alors? Il a trouvé ça super et il veut me rencontrer. Oh là là, mais c'est génial! C'est n'importe quoi, mais c'est du mamie, quoi. Oui, c'est dingue qu'elle ait fait ça. C'est tellement, tellement... Il faut que je lui dise que... Ouais, ben tu bafouilleras plus tard. Son train part dans 20 minutes. Fonce à la gare, lui dire merci. Donc, en 5 lettres, un grand poisson vivant dans les mers froides. Alors... Morue. Non, mais dites-donc, restez poli. Je voulais dire que... La réponse est morue. Quoi, je me mêle? J'ai horreur qu'on m'aide. Ah, maman, je voulais te dire... C'est ma fille, elle n'arrive pas à aligner deux mots cohérents. Et figurez-vous qu'elle veut écrire un livre. L'éditeur a adoré mes premiers chapitres. Il veut me rencontrer. Ça ne m'étonne pas. Il avait l'air assez idiot pour aimer la transfriction. Vous voulez dire la science-fiction, sans doute. Vous, ça suffit. Non, mais quelle insolence. C'est grâce à toi. Alors, je voulais te dire... Enfin, je suis ici pour... Tu vois, quoi? Tiens, c'est bizarre. On dirait que le quai bouge tout seul. Si je peux me permettre, c'est le train qui démarre. Non, c'est pas vrai. Oh ah, faut que je descende. C'est trop tard, ma petite dame. Le prochain arrêt, Trouille-Mouise. Le billet, s'il vous plaît. Mais... bravo! Voilà où ça mène, tes remerciements mièvreux.
La trentaine, cheveux châtains avec un jean et un pull rouge. Les yeux? Je sais pas trop en fait. Ah bon? Non, j'ai déjà appelé les urgences, elle y est pas non plus. Tant pis, merci. Maman! Mais t'étais où, bon sang? Dans une galaxie très, très, très lointaine. T'aurais pu me prévenir quand même, hein. J'ai appelé partout. Il n'y a pas de réseau à Trouille-Mouise, figure-toi. Peut-être, mais moi j'étais drôlement inquiète, dis. Ah, mais tu sais, je suis une grande fille, il n'y a rien à craindre. Ok, maman 1, loup 0. Viens, ma louloute. C'est quoi ce journal? La revue des spectacles, c'est tout ce qu'ils vendent à la gare de Trouille-Mouise. J'en ai profité pour repérer quelques concerts sympas, si tu as envie d'y aller. Toute seule? Ah non, uniquement avec Tristan. La reine des ombres était repartie vers Deadpool. La justicière du cosmos se dit soudain qu'aucune mère n'était parfaite et que la sienne, malgré sa mauvaise haleine, n'était pas aussi cruelle qu'elle en avait l'air. Mes cheveux sont en plastoc. Bon, alors, on fait quoi? On se coiffe ou on essaye des vêtements? Faut se rendre à l'évidence. On a passé l'âge. Ouais, toute la magie a disparu. C'est bizarre. Avant, on y jouait pendant des heures. On inventait des super histoires comme dans les films. Ouais, ça doit vouloir dire qu'on a grandi. Maintenant, les films, on va les voir au cinéma. Ça te dit d'y aller, d'ailleurs? Je peux pas. J'ai pas de sous. Ouais. Et tes petits boulots pour faire un peu d'argent de poche, a rien donné? Tu parles. Assez pour deux places. Mais j'ai pile ce qu'il faut pour deux grands banana splits. Où est-ce que j'ai pu le mettre? Mais c'est où ça? Ça m'énerve. Non, j'y crois pas. T'as encore acheté des vieux trucs tout moches. Perdu. Figure-toi que je vais vendre des vieux trucs tout moches. Il y a un vide-grenier pas loin du parc. Ça nous fera de la place. Tu pourrais en profiter pour vendre tes vieux jouets, toi aussi.
Franchement, Mina, des fois, t'as des idées de génie. Ah, je sais pas. Mais puisque tu le dis, je te crois. Table en formica garantie d'époque. Mais de quelle époque? Bah, à peu près Louis XIV. Elles sont bonnes les prochaines. Pas de formica à l'époque. Ah oui, mais des tables, il y en avait. Des tables d'acteurs ensemble. Monsieur, il connaît ça. Bon, ben moi j'y vais. À plus les filles. Tu vas où? Ben, faire un petit tour quoi. Bon, écoute, un, comme vendeuse, je suis carrément nulle. Et deux, je te jure que cette année, je ne vais pas craquer. Pas question, tu restes avec nous. Ben, qu'est-ce qui te prend? Elle a le droit d'aller se balader, non? Tu la connais pas. Elle va encore ramener des milliards de cochonneries qui servent à rien. Elle a juré de ne pas craquer. Laisse-lui une chance. Ici, il y a des vendeurs qui réussiraient à vendre du lait à une vache. Maman se fait avoir à chaque fois. Elle perd tous ses moyens. Figure-toi que l'année dernière, elle s'est fait fourguer un lot de 5 plats à tagine. Et alors? Elle ne sait pas cuisiner. Non, maman, je ne suis pas d'accord. Non, elle va encore me rapporter soi-disant l'affaire du siècle. Allons, salopette, sans bretelle. Non, j'ai découpé mon plat, pratique et pas cher. 3 euros les rollers, c'est l'affaire du siècle. Mais c'est deux pieds gauches, non? C'est vrai, mais c'est le quart du prix. Et puis si un jour vous tombez sur deux pieds droits, ça vous fera deux paires moitié prix. Ah ouais, waouh! C'est tentant comme affaire du siècle. Mais en fait, non. Je cherche une scène d'origine. Marché conclu. Merci beaucoup. Bonjour, combien le nounours? Bah j'en sais rien. Lou, tu le vends combien ton vieil ours pourri? Un monsieur à l'œil. C'est sûr, il a vécu, mon Teddy. Mais il est garanti en véritable poil de peluche. Et il a presque tous ses yeux. Vraiment? Voyez-vous-même. J'ajouterais qu'il s'agit de l'ours Ruby de la marque Roudoudou, en mohair vieilli et polyfibre, avec membres articulés et rembourrage en capoque. C'est une pièce rarissime. N'hésitez pas, il est fait pour vous, tout comme son prix, 5 euros. Ah, c'est pas donné tout de même, hein? Bon, vous avez une bonne tête avec vos lunettes, je vous le fais à 3. Ok, ça marche. T'es championne, toi, comme vendeuse. Ben, heureusement, parce que toi, t'as l'air aussi nulle en affaires que maman. Achetez mes tapis, motif garanti indélébile. Ça se lave à combien, hein? Si vous voulez conserver les motifs, faut pas les laver. 2 euros la casserole, 5 euros les 10. Waouh! 75% de réduction, c'est l'affaire du siècle. Je vous le fais pas dire, ma petite dame. Mieux que les soldes. C'est normal, ces petits trous? La petite dame est observatrice. Sûr que c'est normal, c'est un nouveau concept. La passoire casserole. Ouah, trop fort. C'est carrément high-tech. Il me la faut. Ma louloute, j'arrive du vide-grenier. J'ai déniché un ustensile de cuisine révolutionnaire. Encore? Tada! Pas une, pas deux. Non, 10 passoires casseroles. C'est pas génial? Bof, t'as qu'à les ranger avec l'épluche banane électronique et le pic à glace à manivelle. Ils sont où? Poubelle. Alors, elle prend le loup ou bien? Je vais réfléchir un peu avec ma tête. Et je reviens vous voir, je... promis. 3 articles pour le prix de 2, ça aurait été bête de s'en priver. Tenez. Merci beaucoup. Je te connaissais pas ce talent, on dirait la vendeuse du téléachat. T'as vu? Ça marche à fond. Si ça continue, tu vas carrément pouvoir te payer un abonnement au ciné. C'est de la véritable porcelaine en plastique de Limoges. Admirez la qualité des finitions. Du vrai made in China vintage, comme on n'en fait plus. Allez, belles chaussures pas chères là, des savates, des pantoufles, des escarpins, des sandales, des rangers, allez, allez. Hein? Des rangers? Modèle BM 65. Tige haute, cuir gainé avec soufflet bovin hydrofuge et rivet acier. Mademoiselle est connaisseuse, les têtes de mort sont de moi. Ah, superbe. À l'origine, elles appartenaient à Chet Ballett, le batteur des Tâches à l'époque de Rock of the Paddock. Il les a jamais enlevées pendant toute leur tournée. Magnifique. Rien que pour vous, je baisse le prix de 50%. Wouah! Yeah, ma louloute! J'ai déniché une paire de Rangers cultissime, l'affaire du siècle. Ah ouais? La classe? Y a plus qu'à les ranger. Et... finalement, non. Merci. Dommage, elles vous iraient comme un gant, ces chaussures.
Vous êtes bien sûr qu'ils sont aux normes de sécurité, vos hochets. Ah ben ça oui, je les ai fait tomber des milliards de fois et ils se sont jamais cassés. Et maintenant, ils sont à vous. Merci. Quel succès! Plus que ta poupée à vendre et on peut filer au Cinoche. Elle est blonde, en plastique, mesure 28 cm et pour 5 euros, elle est à vous. On n'hésite pas, mesdames et messieurs. Dis donc, elle est chouette cette poupée mannequin. C'est laquelle? Princesse Myosotis? Tahiti Paradise? Ou Pays des Fées? J'en sais rien, c'est ma poupée quoi. Elle fait quoi? Elle a les cheveux qui poussent? La peau qui bronze au soleil? Ou des tatouages qui apparaissent dans l'eau? Non, rien de tout ça. Mais si tu la prends, je t'offre son maillot de bain et sa piscine. Bof, non merci, j'en veux pas. Elle est un peu nulle en fait. Nul ! Ma poupée mannequin, tu l'as bien regardée. Je vais te dire tout ce qu'elle fait, ma super poupée. Déjà, elle peut être tout ce que tu veux. Un jour, c'est une fée des nuages, le lendemain, c'est une sorcière des marais. Et puis, il peut lui arriver toutes les histoires. Ma poupée, elle est magique. Quand t'es triste, elle est toujours là pour te réconforter. La nuit, si t'as peur, tu glisses tes doigts dans ses cheveux et alors tu t'endors en souriant. Ma poupée, c'est comme un rêve. Et chaque fois que tu la serres contre ton cœur, tu promets de ne jamais t'en séparer. Jamais. Tu me l'achètes, papa, dis. Désolée, elle n'est plus à vendre. Oh, mais c'est pas possible. La véritable maquette du navire de Rackham le Roux. Profitez de l'occasion, vous cherchez un ami fidèle, achetez le labrador empaillé de ma grand-mère. C'est bien, allez-vous. Hey, tout à fait, si vous le recevez avec une bigotelle. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris? Tu l'as presque fait pleurer, cette pauvre gamine. C'est vrai, je suis désolée, mais elle s'est moquée de ma poupée. Lou, arrête, ce n'est qu'une poupée. Non. Ce n'est pas qu'une poupée. Mademoiselle, il n'y avait pas eu une poupée mannequin tout à l'heure? Elle n'est plus à vendre. Allez, viens, on en trouvera une autre. Oh non, je voulais vraiment celle-là. Enfin, Joséphine, ce n'est qu'une poupée. Non, c'était pas qu'une poupée, maman. Celle-là, elle était magique. Attendez. Tu parles de cette poupée-là? Alors, tiens. Oh, je suis contente. Combien? Oh, elle n'a pas de prix, je lui en fais cadeau. Vous en êtes sûre? Certaine. Eh bien, merci. Merci. Ça va? Bof. Il va me falloir au moins deux ou trois bananas split pour surmonter ça. Alors les filles, les affaires marchent? On a tout vendu. Et toi, tu nous as rapporté l'affaire du siècle? Eh non! Tu me prends pour qui? Bravo, maman! Allez, on remballe. Tu sais, maman, quand je repense à ma poupée, je suis contente et en même temps, j'ai un peu envie de pleurer quand même. Bah, c'est rien, t'as juste la baby nostalgie. C'est quoi? C'est un sentiment qu'on a quand on grandit. C'est pas si facile. Ça te l'a fait à toi aussi? Bien sûr, mais c'était il y a longtemps. Maintenant, je suis une... adulte, quoi. Le voilà! Qui, quoi? Voilà, voilà, j'arrive! Dame, on met ça où? Là, près du canapé. Extra! Là, voilà! Oh, merci! Pas de charisme. C'est le top des knock-out! L'affaire du siècle! Il y en avait un comme ça à la fête foraine de Mortebouze, j'y ai passé des heures! Regarde comme c'est génial! Oula, j'ai perdu la main. Va falloir que je m'entraîne. Alors, ça te plaît, ma chérie? Thank you.
Ruby? T'es là? Je ne supporte pas qu'on me parle quand je cuisine. Ok, mais tu sens pas là? Il y a une odeur un peu comme les égouts ou un vestiaire de garçon. Non, je ne sens rien de tout ça. Je ne hume que le subtil fumet de mon ragoût de tête de poulet aux anchois. C'est une nouvelle recette. Oui, effectivement, ça a l'air aussi délicieux que ta queue de morue au camembert. Quel dommage que je ne puisse pas en manger. Comment ça? Ne me dis pas que tu es allergique aux abats de volaille, comme tous ces petits citadins chétifs, ça me mettrait en rogne. Pas du tout, mais je passe la soirée chez Tristan. On va manger tous les deux et jouer à la console. Un super programme, quoi. On va bien rigoler. Tant mieux. Il y aura plus de poulet pour ta mère et moi. En fait, je crois que tu vas pouvoir te régaler toute seule. Maman dîne avec Richard. Quoi? Elle t'a pas prévenu. Ben, bon appétit quand même et bonne soirée, mamie chérie. À plus, je filoche. Voilà comment on traite les pauvres personnes âgées sans défense de nos jours. Belle mentalité, c'est pitoyable. Attention, chaud devant. Ça sent drôlement bon. Attends, ne me dis rien. C'est de la blanquette de veau, non? Eh bien, en fait, pas vraiment. C'est du couscous, mais l'important, c'est que ce soit bon, hein? Ok, j'avoue, je suis nulle en cuisine. Tant mieux, les femmes derrière les fourneaux, je ne trouve pas ça sexy. Moi, je trouve que les hommes qui font la cuisine le sont. Oh. Allô? Maman? Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai jamais vu une cuisine aussi mal rangée. Où as-tu caché le sel? Le sel? Il est dans le placard, en bas à droite. Désolée. Je disais donc que les hommes qui cuisent... Oh! Quoi encore? Permets-moi de te dire qu'il n'y a rien en bas à gauche. C'est normal, je t'ai dit en bas à droite. Tu disais? Ah oui, que les hommes qui cuisinent... Bon, j'ai trouvé. Mais ton sel est d'une qualité très médiocre. Tu l'as récolté toi-même ou quoi? Maman, tu me casses les pieds. Tadam! Vous avez commandé des pizzas? Ah, tu tombes bien. Solène et moi, on a une de ces faims. Solène est là? Bah oui, on est en pleine partie de Super Mario Kart. Je viens de terminer le circuit arc-en-ciel. Solène est vachement douée. Sans blague. On va voir ça tout de suite. Tu prends la gagnante, Tristan? Ok. Et quand tu te trouves au sommet tout seul, tu vois, perché à 4810 mètres, dans le silence et dominant le monde, des sensations incroyables t'envahissent. Et là, tu te dis... Tu m'écoutes. Hein? Oui, oui, je t'écoute. Moi aussi, tu sais, j'adore le fromage au lait cru. Tu ne m'écoutais pas. Tu pensais à autre chose. Ben, c'est ma mère. J'aime pas lui raccrocher au nez, même si elle est parfois... Un peu difficile. On peut dire ça, oui. Tu sais quoi? Tu vas régler cette histoire et tu reviens pour le dessert. Sinon, tu vas passer une mauvaise soirée et moi aussi. Ok, tu as raison. Maman? Maman? Allô? Yeah! Génial! Yeah! Alors, il est pour qui le maillot jaune, hein? Pour qui? Maillot jaune, c'est pour le vélo, Solène. Allô? Maman? Excuse-moi, je te dérange? Ben, un peu, oui, qu'est-ce qu'il y a? Désolée, mais tu sais où est mamie? Non, pourquoi? Elle n'est pas à la maison. Elle est peut-être sortie. Ben, oui, peut-être. Bon, je vais demander à Madame Schurm. J'aurai peut-être plus de chance avec elle. À plus, ma louloute. Ce matin encore, vos voisins du premier se plaignaient d'entendre des hurlements la nuit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Fallait pas construire l'immeuble sur un cimetière indien.
Bonsoir. Excusez-moi, mais vous n'auriez pas vu passer ma mère ce soir? Oh, mais si. Génial. Et elle... elle vous a dit où elle allait? Payez-moi d'abord votre loyer en retard, ensuite on discutera. Yes! Maintenant à moi! À moi! Ouais, en fait il est un peu naze ce jeu. On y va? Tu es prête? Oui, allons-y! Maman, qu'est-ce qu'il y a encore? Ma louloute, je suis inquiète. Mamie est partie toute seule à la supérette. Ah, et alors? Et alors, il pourrait lui arriver des bricoles. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as qu'à aller la chercher? Oui, tu as raison, ma louloute. J'y vais, à plus. Salut, Kader. Je suis à la recherche de ma mère. D'après Madame Schurm, elle serait sortie pour acheter du sel. Plus exactement, pour me faire déballer du sel sans rien acheter. Et tu ne saurais pas où elle est, par hasard? Si, au centre commercial. Soi-disant que mon sel est de mauvaise qualité. Au centre commercial? Yes! Ah, c'est enfin à moi! Maman, j'hallucine, qu'est-ce qu'il y a encore? Mamie est partie au centre commercial. Je suis en route pour la rejoindre. Ah oui, et alors? Bah, je voulais te tenir au courant. Voilà quoi, c'est tout. Maman, tu sais quoi? Tu me casses les pieds! Tiens, c'est à toi de jouer, Lou. Oh non! Qu'est-ce qui s'est passé? Une dispute qui a mal tourné entre une vieille dame et un adolescent. C'est horrible! La vieille femme est blessée? Ah non, madame. C'est l'adolescent qui est en état de choc. La grand-mère est au commissariat pour subir un interrogatoire. Mais enfin, Lou, ça fait 3 fois que tu te manges les barrières de sécurité. Qu'est-ce qui te prend? Désolée, j'arrive pas à me concentrer. C'est à cause de ma mère. J'aime pas lui raccrocher au nez. Ben, dans ce cas, rappelle-la pour t'excuser, alors. Moi aussi, je suis désolée, ma louloute. J'ai bien gâché ta soirée. Mais tu sais, j'avais raison de m'inquiéter. Pourquoi? Ben, mamie est au commissariat. Hein? J'arrive! Alors, tu viens jouer? Ben, non. Il faut que j'y aille. Je dois aller chercher ma mamie. Apparemment, elle aurait attaqué le jeune homme en hurlant « Géronimo !» et ensuite, elle lui aurait cassé le nez à coups de parapluie. Lâchez-moi ou j'appelle la police. La police, c'est moi, madame. Ah oui, ben, y a vraiment pas de quoi être fière. Oh, ma graisse, et c'est moi qu'on arrête. Qui c'est, ces deux-là? Une paire de sauvageons qui malmènent les personnes âgées sans défense? Désolée, il y a erreur, cette dame n'est pas ma mère. Allons bon, vous en êtes sûr? Mais elle est où, votre mère, à vous? Ben, justement, on n'en sait rien. Rassurez-vous, on a l'habitude. Généralement, les mamies fugueuses ne louperaient leur feuilleton pour rien au monde. Il suffit d'attendre. Et puis, si elles ont un caractère de cochon, personne ne les attaque. Non, mais dites donc, vous, rendez-moi mon parapluie, que je vous apprenne la politesse. Vous ne voulez pas l'emmener? Vous êtes vraiment sûr? Oui, on vous la laisse. Mamie? Maman? Mais enfin, on t'a cherché partout! T'étais où? Je suis allée acheter du sel. Et ensuite, ça ne vous regarde pas. Ah ben si, ça me regarde! Figure-toi que j'ai traversé toute la ville pour te retrouver! Et moi aussi! J'étais morte d'inquiétude! Et moi aussi! J'ai caché ma super soirée romantique avec Richard pour te chercher! Et moi aussi, ma super soirée romantique avec Tristan! Comme ça, vous vous faisiez du souci pour moi?
Oui. Bien fait. Mais maman... Silence. C'est l'heure de mon feuilleton. Docteur Sanders, l'opération s'est-elle bien passée? Parfaitement. Vous avez maintenant deux mains gauches. Mais c'est horrible. Je suis venue vous voir pour une appendicite. Il n'y a plus de saindoux. Non, mais tu n'as qu'à filer en acheter, puisque tu adores aller à la supérette. Waouh! Regardez ce qu'on a reçu. Ça doit être Richard. Qu'il est mimi. Hé, hey, du calme, c'est peut-être Tristan. Ouvrez la carte au lieu de piailler. Un souvenir de vos têtes de poulet aux anchois. Et c'est signé l'ancien. L'ancien? C'est avec lui que t'as passé toute la soirée? De quoi je me mêle? Journal, je sens que cette année va finir en beauté. Tristan m'a invité à passer le 31 décembre avec lui. Qu'est-ce que je pouvais rêver de mieux, hein? En plus, l'après-midi devrait se terminer par le visionnage de Titanic. C'est bien connu, hein? Les films de bateaux qui coulent, ça fait chavirer les cœurs. Alors? Lou, tu me chavires le cœur. J'aurais peut-être droit à un petit bisou de fin d'année? Ah, salut. Entre. C'est toutes mes consoles de jeux vidéo depuis que j'ai 6 ans. Pas mal, ma collègue, hein? Pas mal du tout. Celle-là, c'est une ATX 400, avec un processeur qui mouline à 1 giga et une carte graphique full force à 256 mégabits. Ah oui. Et celle-là, tu vois, j'y tiens grave. C'est une antiquité qui date d'au moins 5 ans. Ma toute première console. T'imagines, elle a pas de connexion i3e802.11. Et la SD RAM n'est pas intégrée. Quant à la sortie SPDIF, j'en parle même pas vu qu'il n'y en a pas. Par contre, elle a un truc que les autres n'ont pas. Des parois en métal, pas en plastoc comme celle d'aujourd'hui. Incroyable. Et tu peux encore jouer avec? Comme au premier jour. Tiens, juge par toi-même. Ah. Ouf. Ben je sais vraiment pas quoi dire. Ah, ben je crois qu'il y a plus rien à dire. Hey, Mina, je suis la reine des gourdes. J'ai gâché mon histoire d'amour avec Tristan. Oh, ok, ok. Panique, basta la déprime, il faut réagir. Tu sais quoi? Tu vas organiser un super réveillon, une fête à tout casser. Tu invites Tristan, tu t'excuses et tu recolles les morceaux avec lui. Et voilà. Ouais, et où je vais la faire cette fête? Bah chez toi. Impossible, à cause de Micheline. À cause de Micheline? C'est qui Micheline? Quand maman était petite, elle s'était prise d'affection pour une dame toute mignonne qu'elle avait appelée Micheline. Pouti pouti pouti.
Et puis un 31 décembre, mamie lui a fait goûter un nouveau plat. Et c'est bon, qu'est-ce que c'est? Micheline au marron. Depuis cet épisode, maman a fait le serment de ne plus jamais fêter le jour de l'an. Et chez toi, ce serait pas possible? Pas vraiment. Ici, c'est plutôt ambiance divorce. Mes parents n'arrêtent pas de se disputer. Tant pis, je vais me débrouiller. Salut Richard. Ça te dirait de faire une fête à tout casser dans un endroit super sympa? Bah oui, où? Chez toi, ce soir. Un réveillon, quoi. Franchement, tu sais, les réveillons, c'est pas trop mon truc. Je les passe toujours tout seul à jouer de la contrebasse. C'est ce que je préfère. Allez, à plus. Un réveillon? Négatif. D'après mes calculs, Jupiter est en plein dans Vénus. Ah oui, et alors? Alors, il va se passer un truc. C'est moi qui te le dis. Et un truc pas beau à voir. Une attaque massive de lémuriens, par exemple. Un bon conseil, barricade-toi. Désolée, j'ai prévu de regarder l'œuvre intégrale de Fritz Hoffmann, un cinéaste allemand injustement oublié. N'y compte pas, je veux absolument finir mon puzzle de 10 000 pièces avant la nouvelle année. Ce soir? Non, je dois peigner mes animaux empaillés, comme tous les 31 décembre. Hey, tu viens manger? J'ai pris du cassoulet chez Kader. Bof. Bah alors, ça ne va pas? Non. Dans cet immeuble, tout le monde est comme toi, anti-réveillon. Et moi qui avais prévu d'inviter Tristan à une super soirée. On ne peut pas obliger les gens à faire la fête, ma louloute. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Par exemple, jouer à la console sur le canapé en attendant la nouvelle année. Ne sois pas triste, ma louloute. Allez, ma petite étoile, c'est la fin de l'année. Tu pourrais pas m'aider en faisant un truc sympa? Un truc magique? Genre un miracle, quoi. C'est ça, ton miracle? Ah ben, bravo. Plomb de l'immeuble? Non, c'est tout le quartier. Ben mince alors, qu'est-ce qu'on va faire? On pourrait en profiter pour faire la fête. On est tous ensemble, c'est l'occasion. Moi, j'ai un vieux groupe électrogène à la cave et il est déjà branché sur l'installation électrique de l'immeuble. Vous avez ça depuis quand? Je l'ai construit après l'éruption du Vésuve. En 1944? Non, en 1682. Mais écoutez, moi, j'ai envie de jouer à la console, alors je dis oui au groupe électrogène. Moi aussi. Et moi donc? Plutôt deux fois qu'une. Tout le monde à la cave. En avant. Oh, toi, ça va, hein? Et voilà ma merveille technologique. Fabriquée avec le tableau de bord d'une traction avant, un moteur Stirling et bien entendu le soutien du grand matoutou de Clermont-Ferrand. Ça marche au fioul? Non, au vinaigre d'échalote. Allez, en voiture, Monique. Allons. Allons, ma belle. Et un banc pour l'ancien. Hip hip hip. Ah oui.
Bon, ben, bonne année alors. Ben oui. Bonne année à tous. Bonne année. Ja, bei meinem Freund ist es Paulette. Allô? Ça va? Tu passes une bonne soirée? Impeccable, et toi? Vraiment génial. Enfin, je m'ennuie quand même un tout petit peu. Ah oui? C'est marrant, c'est un peu comme moi. C'est ici pour le réveillon improvisé. C'est complètement ici. Allez, hop. Oh, des réveillons, j'en ai connu moult. Celui-là me rappelle me j'ai 29. Alors, c'est ici le réveillon improvisato. C'est complètement ici. Ce n'est pas une pizza à la dinde, j'espère. Naturalmente, mia popa. Alors comme ça, vous êtes fan de Napoléon? À vrai dire, je suis fan de tout ce qui ne dépasse pas 1m20. En fait, j'ai oublié de prendre en compte l'influence de Saturne dans mes calculs. Pas d'attaque de Lémurien, alors? Ben non. Je dirais même que ce soir, le ciel est plutôt clément. Ah oui? Après le bip, vous savez quoi faire? Et alors, la marmotte, répondit à l'ours, va donc te faire empailler. J'ai pas compris. Vous êtes impayable, monsieur Verdier. Ce plat-là, je peux le garder. Comment pourrais-je donc te dire ça avec tact? Jamais de la vie. D'ailleurs, j'ai établi une liste complète de ce qui te revient. C'est court. Lou, alors, raconte. Ben, mon plan a marché. J'ai finalement réussi à organiser mon réveillon. Oh, chouette! Mais d'un autre côté, il a échoué. Tristan n'est pas là. Pas de bisous de nouvel an en vue. Pas chouette. Mais attends un peu, il est pas encore minuit. Ouais, bof, j'y crois plus trop. Mais enfin... Ouais, bonne année à toi aussi. Bonne année, la flaque. Oh, c'est sympathique, ces petites choses noires sur les pizzas. Comment ça s'appelle? Des olives. C'est bon pour les chiens, les olives. J'espère le vôtre vient d'en manger une douzaine. Écoutez. Bon, ben, meilleurs voeux. Salut, je suis venu pour... bonne année. Merci. Maintenant, je suis sûre qu'elle sera bonne. Pourquoi? Parce que j'ai une bonne étoile qui veille sur moi. Ça me rappelle une coupure d'électricité à Brandy en 36. Où ça?
fait, bon, chaque année, c'est la même chose. Maman succombe à la magie de Noël. Elle retombe en enfance et du coup, ben, elle fait des tas de trucs idiots. Il y a 3 ans, elle a voulu illuminer le sapin avec des bougies. Quand le pompier est arrivé, il nous a bien fait savoir que c'était pas une bonne idée. Et il y a 2 ans, elle s'est déguisée en Père Noël pour me faire une surprise. C'est au niveau du 3e étage qu'elle s'est souvenue qu'elle est parfois sujette au vertige. Le truc sympa, c'est que le pompier commence à nous connaître. L'an dernier, elle a voulu qu'on fasse un réveillon original sous la neige. Ce qui était vraiment original, c'est la porte qui s'est coincée. Il faisait au moins -10 et tous les gens de l'immeuble étaient partis en vacances, même Madame Churme. Franchement, je sais pas ce que maman ferait sans les pompiers. Hein. Alors, cette année, on va faire dans le simple, dans le classique, on va essayer de passer un bon Noël. Allez, on récapitule. Qu'est-ce que tu dois faire? Acheter la dinde à la boucherie, les marrons chez le traiteur, une bûche chez le pâtissier et un beau sapin. Parfait. Et maintenant, qu'est-ce que tu ne dois pas faire? Je ne dois pas me laisser envoûter par la magie de Noël. Bien. Tu es sûre que tu vas y arriver? Mais oui, t'inquiète pas. Allez, on se retrouve à la maison. Ok. À toutes. Achetez la dinde. Achetez la dinde. Achetez la dinde. Achetez la dinde. Achetez-la. Achetez-la, dinde. Achetez-la. Merci et joyeux Noël! Au prix où on est payé, ça m'étonnerait. Regarde, Robert, j'ai trouvé quelque chose pour toi. Le nouveau livre du docteur Johnson. Optimiser la communication dans le couple. Je te préviens, si tu me l'offres, je te parlerai plus jamais de ma vie. Eh bien, pas la peine de t'inquiéter. De toute façon, je ne te ferai pas de cadeau. Ah oui, eh bien, mon avocat non plus. Hey, salut, Mina. Salut. Papa, maman, si ça vous ennuie pas, je vais faire mes achats avec Lou. Rendez-vous à la maison. Bah alors, qu'est-ce qui va pas? Mes parents vont divorcer. Ben dis donc, c'est pas cool du tout ça. Je vais sans doute vivre avec ma mère. Du coup, je verrai plus mon père tous les jours. Va falloir qu'on s'organise. C'est vraiment le pire Noël de toute ma vie. Je ne vois qu'une chose à dire. Chocolat chaud. Waouh, délire. Non. Et les courses alors? Je ne fais que ça. D'ailleurs, là, j'étais juste en train de, comment dire, de me documenter pour la déco de, des sapins, quoi. Ouais. Sinon, la boucherie, c'est par là. Bien, je rentre à la maison avec Mina. Waouh! Tu sais, je me sens un peu bête. Je te parle de mon père qui va me manquer alors que toi, tu ne connais même pas le tien. Au moins comme ça, d'une certaine façon, il risque pas de me manquer, tu vois. Dis-moi, comment... tu ne m'as jamais vraiment raconté ta naissance. Ben, c'était il y a longtemps. À cette époque, les téléphones portables n'existaient même pas. Ma mère avait 15 ans et c'était pas la super ambiance avec ses parents. Elle se sentait incomprise. Ben, elle était pas très heureuse, quoi. Mais un jour, sur le chemin du collège, tout a basculé. C'était la nouvelle la plus fracassante depuis l'invention de la machine à coudre. Les Rock Dogs faisaient un concert à la salle polyvalente de Mortebouze. Waouh! Espèce de gros clébard, j'avais confiance en toi. Fallait tôt ou tard, t'abuses de moi. T'étonne pas, gros clébard, maintenant chaque fois. Si je te vois, viens, viens voir. C'est scientifiquement prouvé. Les grandes histoires d'amour commencent toujours en chanson. La mouette trouve sa mouette, le goéland sa goélette. La vache trouve son taureau, la tourterelle son tourtereau. De sauvage. Vous, le yéyé, vous feriez mieux d'aller faire votre service militaire. Et toi, retourne immédiatement au lycée.
Je connais pas tous les détails de l'histoire, mais en gros, maman n'a pas trop suivi les conseils de sa mère. Du coup, ils sont partis habiter en ville tous les deux. Et après? Pause, je nous prépare un chocolat chaud. Attention, on ne bouge plus. Et voilà. Au suivant. Et s'il vous plaît. Hé, hey, regarde, hein? Là, Super Dario. Où ça? Où ça? Et comment ça s'est passé après? Vas-y, raconte. Attends, ça arrive. Une fois partie de Mortebouze, maman a pu enfin réaliser la vie de ses rêves. Waouh! Ils avaient déniché un vrai nid douillet pour amoureux. Ils arrivaient à vivre grâce à la musique. Waouh! C'était vraiment la belle vie. Mais un jour, maman a découvert qu'elle attendait un bébé. Waouh! Le problème, c'est que l'amoureux de maman, il se sentait pas prêt à être papa. C'était la fin d'une belle histoire d'amour. Maman se sentait un peu seule, mais pour rien au monde, elle ne serait revenue à Mortebouze pour entendre mon papy la traiter de... grosse paresseuse! Ou ma mamie lui criait dans les oreilles qu'elle n'était qu'une... bonne à rien! Du coup, elle a pris son courage à deux mains. Indomptable Amanda, salle numéro 2. Une mini frite, un maxi cola et un mouse burger, 15,80. C'est simple comme tout. Une fonction continue qui est strictement croissante sur un intervalle AB est telle que f de A soit inférieur à Y et f de B soit supérieur. En même temps que ses petits boulots, maman a repris ses études. Ça lui a demandé beaucoup d'énergie. Oh! Mais elle l'a fait. Et elle a appris qu'elle avait eu son bac le jour de ma naissance. Ah, oh, trop forte. Ouais. Allez, une petite dernière. Vous êtes sûr? Ça fait quand même la 28e. Allez, quoi, c'est Noël. Justement, écoutez, il est bientôt 19h30. Alors faites ce que vous voulez, mais moi, je rentre. Et où? En traîneau au pôle Nord? Non, chez moi. Rue du Général Bruges. Mes enfants m'attendent pour le réveillon. Zut, 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 zut. Le réveillon, la dinde. Oh. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait ta maman? Elle a continué ses petits boulots. La chevauchée des morts vivants, salle numéro 1. Alors, une maxi frite, un mini cola et un double micmac, 13,50. Commençons par le vocabulaire de base. Merci se dit thank you. Et beaucoup filé. Maman a poursuivi ses études à la fac. Et elle a réussi à décrocher un diplôme de lettres avec une spécialisation en langue sylabe. Filé d'inquiet. Ensuite, elle a réussi à trouver du boulot comme traductrice, ce qui nous a permis d'emménager ici. Waouh! Bref, tu vois, maman et moi, on s'en est bien sortis. Même sans papa. C'est clair. Toi aussi, tu vas t'en sortir, t'en fais pas. Merci. Alors, prête à rentrer chez toi fêter Noël? Kader, t'as des sapins de Noël? Il ne me reste qu'un Picea abies. Il est cher, mais il arrive directement des forêts de Transylvanie et il sent bon le sapin d'antan. Ça marche. Ne me dis pas que tu as oublié de faire les courses. Non, j'ai des maquereaux en boîte, du hachis parmentier et des biscottes sans sel. Et surtout, j'ai un sapin exceptionnel. Et voilà. Oh. Ok, il lui manque quelques épines, mais il sent bon le sapin d'antan, non? Thank you.
just to make me sad. It was a long, long time ago. Now I feel the pain come back again. What I know is that I miss you, Dad. Don't want you to grow up without you. Love you more than words can ever say. Against my soul I make a stand. Don't want you to grow up without you. Love you more than words can ever say. Against my soul I make a stand. Alors, les filles, comme d'habitude, votre table est prête. Merci, merci. Et voilà, Mia Poupa. Merci. Il faudrait un quatrième menu. Richard déjeune avec nous. Richard? Ma que Richard? C'est les garçons avec la tête des fouines et des poils dans les oreilles. Non, lui, c'est... Alors, c'est celui qui photographie les pigeons et qui met des tongs en plein hiver. Non, lui, c'est Franck, perdu. Richard, c'est notre voisin. L'homme idéal, pas vraiment? Oh, Lou. Bonjour. Bonjour, tout le monde. Je vous présente Gino, voici Richard, et Richard, voici Gino. Ah, belle, Richard. Je suis sûr que vous avez toujours rêvé de visiter une pizzeria. Ben, en fait, pas vraiment. Ma si, suivez-moi. En route pour une visite guidée spéciale, Gino. Il ne va pas oser lui faire passer le test, quand même, si? Si, j'ai bien peur que ce soit ça. Ben, fallait s'y attendre, c'est son rituel. Il l'a fait à tous les autres. Waouh, elle est super nickel, votre réserve. Il va où, l'escalier? Il conduit au jardin. Et là, c'est... La chambre est froide. Oui, ça porte rudement bien son nom. On peut pas dire qu'il fasse très chaud. Alors, il paraît que vous êtes l'homme idéal. De qui? De Mia Poupa. Vous êtes amoureux d'elle. Amoureux? C'est juste une voisine. Pour l'instant. Ah, por que miseria! Ma qu'est-ce qu'elle vous trouve? Pourquoi je... C'est quoi ce look? Regardez-moi ça! On dirait un gilet en peau des moutons mortons. Ben, c'en est un. Non, mais qu'est-ce qui vous fait dire que je suis amoureuse de Richard, d'abord?
La première fois que tu l'as croisée, t'étais pétrifiée, toute rouge. Tout ce que t'as pu dire, c'était... un peu comme Lou maintenant, là. Bah, hey, c'est pas Tristan, là? Mais si, le jour J du premier contact est arrivé. Ma petite cocotte, tu vas enfin lui parler. Te dégonfle pas. Lamentable. Donc, pour résumer, vous avez fait du curling et vous écrivez une hôtesse. Et je joue aussi de la contrebasse. Désolé, ça ne va pas coller avec Poupa. Vous êtes trop farabuto. Farabuto? Qu'est-ce que ça veut dire, farabuto? Bon à rien. Comment? Et vous pourriez rester poli. Allez, finis la comédie. Je vous laisse ici avec vos copains les calamars surgelés. Moi, je remonte. Porca miseria. Le pizzaiolo aurait tout de même pu nous apporter le menu. Allez, papy, t'énerve pas. Pour une fois qu'on va au restaurant. Ah non, je suis pas sûr, mais il y a des limites. Vous avez raison, monsieur. Et ma salade, alors? Il est allé la cueillir dans le jardin ou quoi? C'est vrai qu'il est plus long que d'habitude, le test de Gino. C'est mauvais signe, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce qui est mauvais signe, c'est cette odeur de brûlé. C'est dingue comme ça réduit à la cuisson une pizza. Alors, c'est une pizza 4 saisons, c'est pour l'été prochain ou quoi? Bien, comme dirait Sidera, la baroudeuse du cosmos. Quand il faut y aller... Il faut y aller. Lou, tu vas prendre les commandes des clients. Notamment celle de Tristan. Bon, alors tu vas essayer de retrouver Richard et Gino. Bien, donc c'est Mina qui va prendre les commandes. Tiens, serre des olives aux clients, ça les fera patienter. Et toi, tu fais quoi? Ben moi, je cuisine. Faut bien les nourrir, tous ces braves gens. Maman, la dernière fois que t'as fait une purée, t'as oublié de cuire les pommes de terre. Je vais assurer. Je parie qu'il y aura au moins un client satisfait ce soir. Ok, si c'est pas le cas, c'est toi qui t'occupes de la lessive cette semaine. Ça marche. Madre mia, je vais perdre ma clientèle, faire faillite, être obligé d'aller vivre dans les bois. Mais non, Gino, rassurez-vous, nous serons congelés bien avant. Tout ça, c'est de votre faute. Quoi? J'étais juste venu pour manger une pizza avec ma voisine. Qui m'a amené ici, hein? Qui? Et qui a cassé la poignée? À cause de vous, on est enfermés. Trouvez une solution pour nous sortir d'ici et presto subito. Pas de problème. Figurez-vous que je ne suis pas du genre à me laisser démonter, moi. Au secours, les filles! On est coincés dans la chambre froide! Gino! Richard? Vous êtes là? Ouh! À l'aide! Ouvrez-nous! Ah. On est là! Ouvrez-nous! Au secours! Oh. C'est bien ce que je disais, farabuto, si! Alors, Gino et Richard? Introuvable, la porte du jardin est ouverte. Ils sont peut-être sortis? Génial, à dire qu'on avait prévu un déjeuner sympa. Tant pis, on se passera d'eux! Vous voulez encore des olives? Oui, avec 3 pizzas napoletana en dessous, s'il vous plaît. Ça marche. 3 napoletana pour la table de Tristan, c'est urgent. En voilà une, chaudement. C'est quoi ça? Une calzone. Et comme je n'ai trouvé ni jambon, ni fromage, ni champignons, dedans il n'y a que des brocolis. Allez, ma cocotte, courage! Apporte ça à Tristan et profites-en pour lui adresser la parole. Go, go, go! Allez! Mirette! Merci. Ça a l'air très bien cuit. Allez, vas-y, dis-lui quelque chose! Assure! Vous avez de l'huile pimentée? Non mais elle n'est pas un peu godiche, cette fillette? Un peu, tu es bien bonne. Elle a deux mains, elle n'apporte qu'une pizza. Elle peut dire adieu à son pourboire. Oh, soyez un peu cool. Elle doit être ici pour aider. C'est la première fois que je la vois servir des...
pizza. Mais qu'est-ce que t'as fabriqué? T'y étais là, t'avais escaladé toute la montagne, t'avais les neiges éternelles à portée de main, hein? Je sais pas, j'ai eu comme le vertige. Et où les minettes? Il y a des tas de pizzas made in moi à distribuer, alors au boulot! Je connais une louloute qui va se taper une semaine de lessive. Tenez. Je suis désolé d'avoir cassé la poignée, Gino. Et moi, je regrette de vous avoir amené ici pour vous interroger. Mais Poupa, c'est comme mia bambina. Dès qu'il s'agit d'elle, je deviens très inquiet. Moi, quand je la vois, j'ai envie de souffler doucement sur sa frange, de partager mes céréales avec elle et de lui jouer de la contrebasse jusqu'à ce qu'elle s'endorme en boule comme une petite marmotte à côté de moi. Bene. Et une pizza bolognaise, une. Vous mettez des ananas sur la pizza bolognaise, vous? Oui, et pas de viande. C'est une nouvelle et brillante idée du chef. Je préférais quand le chef n'avait pas d'idée. Et une pizza volcano pour mademoiselle. Alors? Eh ben, 100% des clients sont insatisfaits. Même le bulldog de Monsieur Verdier n'a pas terminé. Bon, je vais à la réserve chercher de la glace à la pistache. Mais personne n'a commandé de glace. Si, moi, j'ai besoin d'un remontant. Quand Flavio vit sa bien-aimée, il s'en fallut de peu qu'il ne mourût de joie au triste souvenir de ses infortunes passées. Autant que sous les poids de son bonheur présent. Hein? Vous connaissez les poèmes italiens du 14e siècle? Ah, bien sûr, c'est une de mes passions. Et moi, c'est le sujet de ma thèse. Madame Evra! Ben vous voilà enfin. Je vous signale que pendant que vous papotez, moi, je suis obligée de faire la cuisine. Quoi? Opération addition. Destination, la table numéro 7. Cible, Tristan. Objectif, entamer une conversation avec la cible. Ok? Oui, chef. Nous ne remettrons jamais plus les pieds ici. Hein? Qu'est-ce que t'as trouvé? Rien du tout. Boubou n'a jamais aussi mal mangé. Maintenant, il a des crampes d'estomac. Moi aussi. C'était immonde. Absolument infect. Non, ne partez pas. Restez, Gino est de retour. Pizza gratuite pour tout le monde. Si c'est gratuit, alors assis, Boubou. Alors, ça s'est bien passé avec Gino? Disons qu'on a brisé la glace. Tu as mis du guacamole dans la pizza mexicaine? Ben oui, pourquoi? Oh, mamma mia! Ben, le guacamole, ça vient du Mexique. Resalut, tu t'aurais pas trouvé mon médiator par hasard? J'ai dû l'oublier sur la table. Bon, tant pis. À plus. Au fait, madame, si j'ai bien compris, c'était vous le pizzaiolo aujourd'hui. Bon, ben, je voulais vous dire que moi, j'ai bien mangé. Allez, salut! Yeah! À toi la semaine de lessive, ma louloute! Pas de problème.